nous allons vous chanter Noël, célébrer Noël, qui, cette année encore, tombe en décembre. Noël et ses mystères. Et pourquoi Noël? Noël, c'est, on sait que le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre, que c'est à cette date que la nuit est la plus longue, le jour le plus court, et avant la réforme du calendrier, la Sainte Luce tombait le 23 décembre. Et vous savez qu'on dit à la Sainte Luce. Oui, c'est-à-dire la Sainte Luce. Non, je crois que je te laisse la parole. Oui. Le jour avance ou augmente d'un saut de puce. Voilà, seulement que maintenant la Sainte Luce, je crois que ça tombe le 13 décembre. Un petit décalage. Et en fait, en regardant bien, on se rend compte qu'on se fait avoir parce que le soleil nous trompe. Le soleil continue à se lever tard, de plus en plus tard, ça, jusqu'au début janvier. Et il se couche aussi de plus en plus tard. Alors, c'est pour ça qu'on a l'impression que les jours allongent. Voilà. Pourquoi pas? Et donc, à partir de cette date-là, la lumière revient, les lumières reviennent, pas forcément à tous les étages pour tout le monde, mais les lumières reviennent et ça annonce déjà le printemps avec quelques semaines d'avance. Et dans un grand nombre de pays, dont la France, Noël est fêté, chanté et associé depuis des siècles à la naissance du Christ, la naissance de Jésus. Alors évidemment, dans l'inventaire de Noël, dans les chants, les contes, on retrouve pêle-mêle un nouveau dé, et accenté une étable, une crèche, une étoile, Bethléem, Joseph, Marie, les rois mages, le bœuf et l'âne, toujours gris, les anges, les bergers, l'amour, le Père Noël, pour faire plaisir à Coca-Cola, et le froid. Vous savez que le Père Noël, il paraît que c'est l'entreprise Coca-Cola qui l'a lancé dans les années, début des années 30, mais maintenant on a un peu oublié ça. Et pour bien comprendre Noël, c'est simple, écoutez cette histoire. Merci. Thank you.
Du plus haut du ciel, les anges annoncent l'arrivée du Sauveur, Noël aux échos. Thank you.
Voilà, braves gens, il faut se réveiller. Vous, les bergers, quittez vos troupeaux et partez tout de suite vers Bethléem, où la grande nouvelle nous attend. Vous y trouverez le Dieu d'amour. Réveillez-vous, pastoureux. Dans nos campagnes.